Ah oui, avec la drôle de période, on avait été, on va dire, plutôt chanceux jusqu'à présent avec le Covid-19. Là, on a été frappé plein fouet avec plus d'une quinzaine de cas. Donc, on s'est entraîné par petits groupes les semaines précédentes. On a repris le collectif en fin de semaine dernière et cette semaine pour préparer au mieux cette réception de Rouen vendredi soir. Oui, des semaines différentes, mais on a quand même gardé nos axes de travail. Comme vous le dites, c'est encore particulier, il y a huis clos, il y en a les Covid, mais bon, j'ai l'impression que cette année va être rythmée par un peu tous ces petits aléas. Il va falloir faire avec et jouer les matchs comme ils arrivent les uns après les autres. Ah oui, on est prêt, ça c'est sûr qu'on est prêt. La veille d'un match, on est prêt, on est à 100%, on a à cœur de faire un gros match à la maison parce que rester invaincu encore. Non, on est très prêt, vaut mieux. Oui, la mise en forme, non, je pense pas. Je pense qu'on est quand même en forme, on a quand même gardé, on a eu que 5 jours de repos, donc on est assez vite revenu, on a travaillé très dur, donc je n'avais pas trop de soucis pour la forme des joueurs. Ça devrait le faire et pas de soucis là-dessus. Oui, c'est sûr qu'il y a moins de repères que s'il y avait eu tout le monde. Mais bon, ça c'est pas une excuse pour nous. On doit s'adapter et faire avec et pour faire un grand match vendredi soir. C'est sûr, on espérait jouer la semaine dernière, mais malheureusement on n'a pas pu aller à Angoulême. Donc 3 semaines c'est long, ça fait un petit peu de bien quand même de couper après ces matchs qui sont enchaînés, mais on a à cœur de revenir au Stade des Alpes et de faire une grosse partie.